Bonjour amis crafters, je suis Thomas, bienvenue sur Leptoncraft, une chaîne qui va parler de craft. Donc ici on va fabriquer des objets autour du thème du jeu, donc jeu de rôle grandeur nature, escape game, éventuellement spectacle vivant et cosplay. Le but de cette chaîne, ça ne va pas être de faire des tutos, parce que je pense que je ne suis pas compétent pour ça et qu'il existe énormément de cours et de ressources en ligne pour tout ça. Donc que ce soit pour apprendre à coder sur Arduino, utiliser une imprimante 3D ou quoi, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, ce que je compte vous apporter, c'est des idées, les fichiers pour les réaliser et vous montrer ma méthode qui pourrait vous inspirer pour vos projets. Pour ce qui est du contenu de cette chaîne, les vidéos principales vont être des Let's Craft. C'est des vidéos où je vous invite à m'accompagner dans la réalisation de projets, de la conception à la fabrication. Le but, ça va pas être de rentrer dans tous les détails, parce que sinon ça ferait des vidéos de 3 heures que j'ai pas envie de faire et que vous avez pas envie de regarder. Mais si vous voulez plus de détails ou de précisions sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire, moi je serais très content d'apprendre de vos remarques. Dans la plupart des vidéos, on va inclure une carte Arduino et de l'impression 3D parce que c'est vraiment mon domaine. Pour ce qui est de la conception 3D, moi j'utilise un logiciel de conception mécanique qui s'appelle Onshape, qui est donc une espèce de clone de SolidWorks en ligne, qui est gratuit. Simplement, la licence gratuite fait que mes fichiers sont publics et donc disponibles à tout le monde. Donc vous pourrez copier et modifier mes fichiers si vous en avez envie. À ce sujet, sur chaque vidéo, je vais vous partager tous les fichiers que j'utilise, donc les fichiers 3D, les codes Arduino, d'autres fichiers s'il y a besoin. Et ils vont être sous licence Creative Commons, attribution et partage dans les mêmes conditions. C'est la licence Wikipédia. C'est-à-dire que vous avez le droit de télécharger mes fichiers, les copier, les modifier, les partager, les utiliser de façon commerciale si vous voulez. Par contre, vous devez les partager sous la même licence et vous devez me citer si vous les utilisez. Dans ces vidéos, je vais inclure des mini-formats que j'ai appelés les minutes matos, qui vont être l'occasion de vous présenter en une minute un certain type de matériel. Dans les prochaines vidéos qui vont venir, on va voir les capteurs d'angle, les LED adressables type NeoPixel et le Smart Glass. Encore une fois, le but ne sera pas de rentrer dans les détails, mais c'est de vous présenter ce type de matériel pour que vous sachiez que ça existe et que vous sachiez comment ça fonctionne. Pour chaque projet, je vais essayer de vous indiquer la difficulté dans différents domaines, conception 3D, électronique, programmation, d'autres choses s'il y a lieu. Ça va être une échelle évidemment subjective, hein, donc le 0 à 5 c'est sur mon niveau actuel. Donc mon 5 sur 5 en programmation, c'est pas forcément votre 5 sur 5 en programmation, notamment si c'est votre métier, vous allez être bien meilleur que moi. On se retrouve très bientôt pour une vidéo qui va vous présenter différents types de cartes Arduino, et ensuite pour le premier Let's Craft qui va être sur un élément de costume cybernétique que j'ai appelé une Exospine. A bientôt !